tes pieds là sont devenus durs, durs comme ça là. Ça c'est la formation militaire qui te rend comme ça là. C'est quoi la course? Vous courez là. Toi, tu es le genre de personne qui court. Je cours. Vous négligez le gros corps là, ça court. Quand ça voit le danger, ça court. J'ai bien Wenda. L'affaire que ta soeur là ne fait qu'avorter, c'est devenu un métier pour elle. Hein? Laisse l'affaire de ma famille. Tout ça, il t'appuie pas. Sur le problème de votre famille, moi je parle. Après, vous avez dit que non, j'ai la langue bouche. Là, tu es d'abord, tu laisses le Congo, ça sur ma famille. C'est pas question du Congo, ça. Chaque fois quand elle finit d'avorter, elle vient Junior. Te voir. Elle vient te voir, c'est toi qui as la solution. Viens, mon fils. Toi, avec le pantalon bizarre comme ça, là, toi, tu sors d'où comme ça? Pardon, laisse-moi l'enfant. Toi, attends, à son époque, là, tu ne portais pas ça. Je disais, comme il y a tonton Franck, qui disait que non, depuis là, tu ne rends pas visite. Il faut aller que tu vas aller rendre visite à tonton. Tu passes la journée, hein? Ok, allez. Tout à l'heure, allez. Junior, mets-toi ici. C'est ta mère qui t'encourage. Depuis que les enfants de tes oncles, de tes tantes, ils sont ici dans Libreville et ils viennent rendre visite à ta mère. Vous êtes devenus les esclaves, ou c'est vous qui devez rendre visite aux parents de votre mère ou aux parents de vos pères, mais on ne vient pas nous rendre visite ici. C'est devenu quoi? Tu retournes là-bas. C'est ta mère qui t'encourage. Depuis que les enfants de ton frère, ils sont là. Les enfants de ta soeur, surtout ta soeur là, et ils viennent te rendre visite. Tu es arrivé de formation là, tu es arrivé ici à la maison. Ils sont venus te rendre visite. Dis-moi combien de personnes sont venues te rendre visite ici. Mais je vais faire comment? Dans la famille là, c'est parce que je suis aussi leur esclave. Je vais faire comment? Appelle tes enfants et viennent jamais me rendre visite. Appelle Junior, il va venir. Appelle là-bas, elle doit venir. Ha! Mais eux-mêmes l'appel, je ne reçois pas. Et c'est toi qui prends Junior Blabaquin, tu dis aller rendre visite. Pendant ce temps, il n'y a pas de choix. À partir d'aujourd'hui, la personne qui te rend visite, j'envoie aussi les enfants rendre visite. Je ne veux plus entendre que tu envoies mes enfants rendre visite à tes parents. Et leurs enfants, ils ne se pointent jamais devant mon portail ici. Ça, c'est fini ça, Wenda. Je ne veux plus entendre parler de ça. Après, ils vont dire que je suis mauvais. La vie, c'est la tantine. Tu m'assistes, je t'assiste. Tu ne m'assistes pas, c'est fini. Et ton affaire de... Ça, c'est fini, ça. Et là, je vais me mettre en colère déjà. Hein? On m'a eu un nom. Ça veut dire quoi, ça? J'espère que tu as bien saisi ça. J'ai compris. Oh. Moi, je toujours... Parce que là-bas, dès que je lui ai dit que non, l'enfant n'est pas à part. Oh, voilà, ton mari qui est mauvais là, va encore faire machin. Tu sais que tu as mal vu là-bas. Je peux être mauvais comme quoi, mais la vie, c'est la tantine. Voilà. Laisse, ton père a dit ne pas, laisse. Voilà, c'est mieux.